fait plus d'une quinzaine d'années que nous avons établi un partenariat avec Evialis. Donc on leur confie nos animaux pour apporter le meilleur équilibre dans la ration, pour amener nos animaux vers l'excellence, puisque bon, on élève ici, je dirais, l'élite de la race. Voilà, donc ce sont des animaux qui demandent un suivi attentionné. L'objectif du protocole, c'est d'arriver à 1400 g de GMEQ sur la période de 84 jours. Mais bon, en blonde d'Aquitaine et avec la ration qu'on a aujourd'hui, on est largement au-dessus. La particularité de la station, c'est que nous avons mis en place le Majoral. C'est un correcteur azoté, 30% de protéines, mais qui nous apporte également de l'énergie, 0,93 UF apporté par de la cellulose digestible qui nous permet un bon fonctionnement ruminal. L'intérêt d'amener des UF différemment que de l'amidon, c'est pour ne pas déposer du gras sur les animaux. Une des périodes cruciales, c'est la réception des animaux, puisqu'on achète 140 à 150 génisses de 6-7 mois sur l'ensemble du territoire, qui arrivent sur deux entrées et deux dates différentes. Donc il faut faire une phase d'adaptation, que l'on appelle. Nous avons créé un aliment qui s'appelle le pâtural serein, à base de clarifite. C'est un mélange d'huile essentielle et de mélange d'extrait de plantes qui vient booster l'immunité naturelle des animaux. Et depuis 4 ans que nous utilisons le pâtural serein, on a vraiment trouvé une efficacité sur le boost immunitaire des animaux et nous avons bien fait baisser les frais vétérinaires de cet atelier-là. Donc c'est démarrer une alimentation autour de 800-900 g de croissance pour arriver à un poids cible à 450 kg à 15 mois, qui sera l'âge du début de la reproduction. Ça nous permet de développer les activités sexuelles des animaux et d'avoir une bonne réponse à l'insémination artificielle. Nous essayons de contenir la ration dans un budget qu'on s'est fixé, mais ce n'est pas le premier but ultime. Le but ultime, c'est de réussir à amener et à indexer nos animaux, à les amener jusqu'à la qualification pour avoir des animaux qui vont exprimer un beau potentiel pour être bien vendus, puisque bien sûr, la finalité de tout ça, c'est des reproducteurs qui vont repartir dans des fermes pour aller ravir des futurs éleveurs blonde d'Aquitaine.